Bonjour à tous. Donc on va pas tarder à démarrer. Il est 14h, on va se donner 5 minutes, même pas 3-4 minutes pour vérifier que tout le monde peut nous rejoindre. Voilà. Un petit bonjour sur le chat. Ça c'est pas mal. Pour l'instant, j'ai 18 participants. Je crois qu'il y avait une quarantaine de participants inscrits. On va attendre un tout petit peu. Des fois qu'il y a des petits retardataires, on se donne jusqu'à 14h05 et on démarre vers 14h05. Ok, on va démarrer. Donc bonjour à tous, merci de rejoindre ce webinaire sur le DDD et plus particulièrement sur les patterns tactiques du DDD avec une présentation de live coding. Hein. Je vais vous présenter comment on peut les coder. Alors l'objet ici n'est pas d'expliquer qu'il faut absolument les coder comme ça. L'objet, c'est plutôt de vous donner envie d'aller plus loin sur le DDD, de vous montrer le bénéfice que cela peut avoir sur votre code, parce que le DDD, c'est un sujet qu'on entend beaucoup, beaucoup parler et qui offre vraiment de nombreux avantages. Alors, n'hésitez pas à intervenir. Je vais essayer de jongler entre slides, code, chat. Je vous poserai des questions. Donc, j'espère que vous interagirez sur cet onglet de chat. Et puis, vers la fin, on essaiera de faire une session questions et réponses aux questions avec une prise de micro. Voilà, donc tout le monde m'entend bien. Juste s'il y en a un ou deux qui peuvent me dire si tout est bon pour vous. Comme ça, je démarre officiellement. C'est parfait. Merci. Génial. Ok, super, merci Fabien. Voilà, donc toujours un petit peu de stress, hein, j'espère que tout se passera bien. Et puis voilà, donc je le répète, hein, c'est plus un partage d'expérience et de connaissances plutôt qu'une volonté pour moi de vous expliquer ce que c'est. Hein, c'est plutôt de ce que j'ai compris et puis je suis prêt à tout vos retours. Merci Denis. Il y a des copains dans le lot, ça fait toujours plaisir. Alors j'avais prévu. J'avais prévu des petits slides comme ça, hop là, pour juste préciser un petit peu ce que je comptais faire aujourd'hui. C'est parti, je partage mon écran, tac, je me mets en diaporama et ça marche pas. Si ça marche, vous voyez bien mon écran? Il est bizarrement, voilà, là on va le faire mieux comme ça, je pense que voilà. Donc là on voit bien, on va dire qu'on va bien. Ce webinaire est essentiellement sur le DDD, donc Domain Driven Design. Là. Bouquin bleu écrit par Evans et le rouge, je ne sais plus trop qui l'a écrit, mais il y a deux gros bouquins qui expliquent bien cela. C'est pas tout jeune, hein. De mémoire c'est 2008 je pense, le premier bouquin, mais ça commence à débarquer, je dirais, un peu fortement en France. Alors là, le but du jeu, c'est de regarder une partie du DDD. Je vais rapidement expliquer ce que c'est dans sa généralité, mais zoomer sur les patterns techniques. Alors avant tout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le DDD part du principe qu'il y a un petit souci entre d'un côté le business. Donc quand on fait une application informatique, eh bien essentiellement on fait une application pour répondre à des besoins. Donc là, c'est censé exprimer
le côté besoin. Et de l'autre côté, on a des développeurs, donc moi je me considère comme développeur, qui vont répondre à ce besoin en écrivant du code, des applications. Et cette application sera utilisée par ceux qui veulent réaliser ces besoins, quoi, les utilisateurs. Et bien souvent, on a une cassure, c'est-à-dire que le code ne répond pas tout à fait aux besoins, ou le besoin, parfois, il n'est peut-être pas bien exprimé, on retrouve plus besoin dans le code. Enfin, en gros, c'est problématique. Et voilà, je trouvais cette magnifique petite image qui dit qu'il n'y a pas de, gagnant en fait, hein, du côté besoin, mais on n'est pas content parce que l'application ne fait pas ce qu'elle devait faire. Du côté développeur, on n'est pas content parce qu'on n'est jamais content de faire une application qui ne satisfait pas aux besoins. Et puis, on aimerait avoir un peu plus de temps pour améliorer, je dirais, la qualité de notre application. Bref, ce n'est pas, génial, génial. Donc ça, c'est un problème qui est assez classique, hein, dans l'informatique. Le DDD offre de nouvelles solutions, mais ce n'est pas le premier à citer ce problème. Et ce qui est super intéressant, et ce que j'ai essayé de résumer ici, c'est qu'on a un espèce de continuum dans le DDD entre le côté business et le côté code. Alors, c'est un gros, gros, gros raccourci du bouquin. Hein. Essentiellement, c'est pour expliquer ce qu'on va dire par la suite. Hein. Donc, ce qu'il y a dans le DDD, il y a deux parties. Il y a une partie stratégique où on va vous expliquer qu'en fait, quand vous faites un business, ben, vous devez bien comprendre le vocabulaire du business et vous devez bien comprendre les différents contextes parce que parfois, il y a des mots qui sont utilisés dans des contextes différents et qui n'ont pas tout à fait la même sémantique. Et il est important de bien définir le plan, un peu la carte de ce business, de bien comprendre les relations entre les différents sous-domaines de ce business, voilà, les context maps, les boundaries, ce genre de choses. Donc ça, c'est tout un côté stratégique qui est super intéressant et qui vous permet de bien comprendre ce domaine métier, bien comprendre la terminologie qui est utilisée dans le métier. Une fois qu'on a ça, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a une deuxième couche dans le DDD, c'est les côtés patterns tactiques. Et là, on va nous expliquer comment on peut coder. Alors, j'ai une petite question, est-ce que je peux switcher rapidement pour la question ? Ah, bonjour, ouais, c'est parfait. Donc là, on va nous expliquer comment on peut passer de ces concepts métiers vers du code. Donc là, on a vraiment ces notions de patterns tactiques. Et ce qui est super intéressant, toujours dans ce bouquin, j'ai mis le bleu ici parce que c'est le créateur, hein, mais le rouge explique ça aussi très très bien. On va nous expliquer comment coder ces fameux concepts métiers. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on va nous dire, en fait, il y a des espèces de stéréotypes dans ces concepts métiers. Est-ce que c'est un value object? Est-ce que c'est une entity? Est-ce que c'est un service? Et selon l'espèce de stéréotype qu'on a trouvé sur le concept métier, eh bien, il faut le coder d'une certaine manière. Alors, ce qui est génial, pour l'avoir pratiqué, quand on applique le DDD, c'est que si on suit ces préconisations, on a un continuum qui est très, très, très agréable et on arrive à retrouver les concepts métiers vraiment qui sont utilisés par les gens qui font ce métier. Donc, on arrive à bien les définir dans notre carte, etc. Et puis, on les retrouve sur ces fameux patterns tactiques et on va les retrouver dans le code. Donc, ça, c'est complètement génial. Du coup, quand on voit du code, on peut remonter pour savoir à peu près à quel besoin métier c'est. Alors moi, je ne vais pas du tout dans ce talk parler des stratégiques parties du DDD, mais je vais vraiment me focaliser sur les patterns tactiques qui, pour tout développeur, à mon avis, offrent une plus-value relativement énorme. Alors, avant de présenter ces patterns tactiques, il faut préciser que, alors ça c'est mon interprétation, mais ces patterns tactiques partent du principe que il y a un truc qui est pas bien. J'espère que certains d'entre vous le reconnaissent. Là, c'est les Java Beans, hein, c'est le jongleur de haricots. Là, il y a un truc qu'on nous a mal appris ou c'était peut-être pas volontaire, mais en gros, moi quand j'ai appris à programmer objet, on me disait tout est objet. Et un objet, essentiellement, c'est défini par un ID, des propriétés, des getters, des setters. Et là, en fait, on était dans un terme technique. Et le problème, quand on fait de l'objet à cette sauce-là, c'est qu'on va avoir du code qui est super homogène avec des ID, des propriétés, des getters, des setters. Et en fait, on va arriver à ce qu'on appelle l'amnésie du code, c'est-à-dire que ce code, il est technique. Il répond à un besoin, mais alors pour retrouver le besoin, c'est quasiment impossible. Set name, on ne sait pas si c'est la création du nom, on ne sait pas, c'est quand on change de nom, on ne sait pas trop le besoin. Et ça c'est vraiment ce qui est ciblé, à mon avis, hein, c'est mon interprétation, c'est ce qui est ciblé par les patterns tactiques du DDD en se disant bah, il faut arrêter de programmer comme ça, tout n'est pas objet. Tout n'a pas un ID, des propriétés, des getters, des setters, etc. Et en fait, on va retrouver c'est ce que j'appelle des stéréotypes ou des types, des sortes d'objets qui vont avoir des particularités.
Alors, dans ce talk, en fait, je vais essentiellement parler de certains de ces types. Donc là, il y a un magnifique schéma avec tous les types. Et je vais parler des plus, je dirais, des plus importants pour moi, en tout cas. On va parler du value object. Donc ça, c'est un type d'objet. On va se dire, mais c'est quoi un value object? On va voir que c'est une espèce de constante. Donc ça, c'est assez intéressant. On va avoir l'entity. Alors l'entity, c'est l'objet un peu plus traditionnel. Lui qui a un cycle de vie, qui évolue, etc. Et on va avoir un concept assez intéressant d'aggregate qui va être un objet composite, qui va composer l'autre objet et on va voir comment les coder. Alors, ce qui est super intéressant, vous voyez, c'est qu'on a une définition de ces concepts et surtout, on va vous expliquer comment on les code. Donc, c'est vraiment des patterns, ils sont orientés objet, donc ça, c'est important. Si vous essayez de faire du DDD sur d'autres paradigmes, alors moi, j'ai essayé en JavaScript, c'est pas simple, hein, c'est vraiment pas simple, c'est vraiment là, ces concepts-là ont été créés pour les objets. Ils sont techniques. C'est lié ensuite, mais je ne le montrerai pas dans ce webinaire, sur des concepts stratégiques. Et c'est vraiment un magnifique support, une architecture bien cloisonnée, bien définie. Et on va avoir une énorme facilité ensuite à faire des microservices. Donc voilà, donc l'objet de ce talk, c'est vous présenter ces patterns, vous présenter comment on les code, et puis vous donner envie, hein, surtout, d'aller plus loin et d'aller beaucoup plus loin dans le DDD, de voir qu'il y a plein d'autres patterns tout aussi intéressants. Alors pour présenter ces patterns, ben je suis parti d'un exemple, parce qu'on ne peut pas présenter du code sans avoir une espèce de petite histoire à raconter. Et alors moi j'ai imaginé, alors ça vaut ce que ça vaut, mais ça tient le temps, c'est pas mal, l'exemple est pas mal, une application qui permet de suivre un championnat. Voilà. Donc imaginons qu'il y a un championnat qui se déroule. Alors là, bon, je suis à Bordeaux, donc j'ai pris un championnat de hockey avec l'équipe des Boxers, qui est une équipe de hockey sur Bordeaux. Il y a un petit commentaire. Tac, tac, tac. Un petit, je vois pas bien. Oui, un petit bonjour encore. Voilà. J'essaie de pas trop perturber les slides. Donc, j'ai pris cet exemple. On a envie de créer une application qui va permettre le suivi d'un championnat. Donc, quel qu'il soit, que ce soit hockey ou tennis ou ce genre de choses. Donc, dans cette application, il y a trois grands concepts. On va avoir le concept de joueur. Alors, le joueur, faut le prendre dans sa grande généralité. Une équipe, c'est un joueur. Voilà. Et pour moi, un joueur, ça a juste un nom. Voilà. Un surnom, même. Donc, ici, les Boxers. Voilà. Et c'est tout. Je sais pas combien il y a de joueurs dans l'équipe des Boxers. Je sais pas ce qu'ils ont fait avant, ce qu'ils vont faire après. C'est tout. Je sais juste que c'est les Boxers. Donc, ça me permet de dire, voilà, les players, il a un nickname et c'est les Boxers. Voilà, ça changera pas, c'est comme ça. Alors, j'ai un deuxième concept, c'est un concept de match. Donc là, à un moment donné, il y a deux joueurs qui vont se rencontrer, tac, ici. Et le match, là, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un cycle de vie, ce match. Il va démarrer. Une fois qu'il a démarré, les joueurs vont jouer, ils vont marquer des buts. Et puis au bout d'un moment, siffler, hop, le match s'arrête. Et là, on peut savoir qui a gagné. C'est celui qui a marqué le plus de buts. Voilà. Donc, c'est une vision assez simpliste, hein, de notre championnat, mais au moins, on a des concepts complètement différents. Le joueur avec son nickname, le match. Alors lui, le match, il a un petit cycle de vie. Hein, il a des joueurs qui s'affrontent. Il y en a deux, et puis il démarre, et puis il se joue, et puis à un moment donné, il est terminé. Et notre dernier concept, c'est un concept de championnat. Donc là, un championnat, ben, on a des joueurs qui participent à un championnat. Il est ouvert aux inscriptions. Donc on va dire, ben voilà, le championnat est ouvert aux inscriptions. Toutes les équipes peuvent venir s'y inscrire. Donc il faudra peut-être des contraintes, hein, sur qui a le droit de s'inscrire à ce type de championnat, mais on ne va pas ajouter cela maintenant. On va considérer, donc il y a un autre cycle de vie sur ce championnat. Donc il est ouvert aux inscriptions. Puis à un moment donné, on ferme les inscriptions. Et puis il démarre. Il démarre, ça veut dire que les matchs se jouent. Et puis ben, il termine. Alors on pourrait se dire, ben, un championnat, c'est un peu comme un match. Et pas tout à fait, parce que le championnat, il rajoute une contrainte, en fait. La contrainte qu'il rajoute, c'est que un joueur ne peut jouer qu'à un seul match à un moment donné. En gros, ça veut dire que dans un championnat, un joueur ne peut pas être dans deux matchs qui sont dans l'état démarré, par exemple. Voilà. Ce n'est pas possible de jouer deux matchs à la fois. Donc, on comprend à peu près le raisonnement. Ok, donc j'ai mes trois concepts, et bien, vous l'avez deviné. L'objet maintenant, ça va être d'essayer de deviner quels sont les concepts de tactical pattern DDD qu'on va pouvoir mettre derrière ces trois concepts. Donc, ça va être un petit peu l'exercice. Alors, pour commencer l'exercice, eh ben, on va commencer par le premier sorte de pattern qui est le value object. Alors, le value object, certains le disent que c'est le pattern de l'année. Hein. Il est vraiment génial. En gros, on va considérer qu'il y a certains objets, en fait, finalement, ils bougent pas. Voilà, c'est des constantes. C'est des constantes, ils n'ont pas de cycle de vie.
Ouais. Donc ça, c'est assez intéressant. Ils sont définis essentiellement par leur valeur. Voilà. Alors, l'exemple le plus classique qu'on donne, c'est le point GPS. Un point GPS, vous avez la latitude, la longitude, hein, je l'ai mis ici, et en fait, ce point ne change pas. Alors, vous êtes peut-être à une position particulière, vous allez peut-être vous déplacer, mais ce n'est pas le point qui va changer sa latitude et sa latitude. Le point ne changera pas. C'est vous qui allez changer votre location. Donc, quand on parle de point GPS, ce n'est pas votre position à vous, c'est le point GPS. Ce qui est pareil avec l'adresse, à la limite. On pourrait considérer que l'adresse ne change pas. Alors là, dans la vraie vie, il y a peut-être des noms de rues qui sont rebaptisés, mais considérons qu'une adresse ne change pas. Et donc, à un moment donné, peut-être que vous habitez telle adresse. Et peut-être que vous déménagerez, mais en tout cas, l'adresse en tant que telle ne change pas. Donc, c'est vraiment défini par cette valeur. Et donc, du coup, on va pouvoir comparer deux value objects par l'égalité de leur valeur. Si c'est la même latitude et si c'est la même longitude, bah, c'est le même point. Voilà. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas de setter. Et puis, alors, je reviendrai un petit peu là-dessus. On peut facilement les changer. Alors, ça revient sur mon dernier exemple. Note, en anglais, c'est le billet. Prenons un billet de 10 euros. Finalement, un billet de 10 euros, ben, c'est un billet de 10 euros. Si vous utilisez, hein, si vous n'êtes pas une banque qui contrôle la qualité de vie, je ne sais pas, la durée de vie des billets ou ce genre de choses, pour vous, un billet de 10 euros, quel qu'il soit, c'est un billet de 10 euros. Donc, vous pouvez échanger des billets de 10 euros. Vous pouvez, si vous avez un billet de 10 euros et si votre copain a un billet de 10 euros, vous pouvez vous les échanger. Vous aurez toujours un billet de 10 euros à la fin, quoi, peu importe lequel vous avez. Donc, ça qui est intéressant aussi dans ce concept de value object. Alors, et voilà, on commence et on essaye de rendre ce webinaire interactif. Donc voilà, j'ai mes trois concepts. Boxer, donc le player. Le player, je vous rappelle, donc lui, il est simplement défini par son surnom. Donc ça c'est le point important. Le match, dans ma vision de ce mini cahier des charges, le match est défini par deux joueurs. Et puis à un moment donné, il va démarrer, on va jouer des points et à un moment donné, on va l'arrêter. Et enfin, le championnat, il va être constitué de plusieurs joueurs. Il va y avoir des matchs, donc chaque joueur va devoir rencontrer tous les autres joueurs. Et puis, on va démarrer un match, etc. Par contre, il y a une particularité ici, c'est qu'on ne peut pas être dans deux matchs démarrés à la fois. Donc, à votre avis, et là, je vais essayer de regarder vos votes, tac, tac, tic, si tout marche bien, est-ce que vous pouvez voter? Quel est votre avis? Value Object, Entity? Non, là, on est sur Value Object, pardon. Qui est le Value Object? Player? Match ou championnat? Qui se lance? Est-ce qu'il y en a qui veulent bien proposer des réponses sur le chat? Player pour l'interrogation. Est-ce qu'il y en a d'autres qui osent répondre à ce webinaire interactif? Et après, on va expliquer comment le coder. Il n'y a que Pierre qui tente sa réponse. Pareil que Pierre. Vincent. Ouais, exactement. Donc vous avez tous compris. Voilà, super. Exactement, exactement. Donc là, hein, bah, l'exemple, il est un peu fait pour ça. Hein. L'exemple est fait pour ça. Effectivement, player. Moi, j'ai considéré. C'est dans mon espèce de mini cahier des charges. Dans mon mini cahier des charges, j'ai considéré qu'un player avait un nickname qui ne changerait jamais. En train de chasse, il y avait un sondage. Voilà. Donc vous avez bien répondu. C'est bien le player qui est le value object. Il est défini uniquement par son nickname et c'est ça qui est important ici. Donc c'est vraiment un value object le player. Alors maintenant, je passe sur la partie un peu plus compliquée de ce webinaire. C'est que ben, je vais faire du live coding et je vais coder devant vos yeux ébahis, j'espère, ce fameux player. Et vous allez voir comment moi je le code. Alors c'est pas que moi. J'ai lu plusieurs blogs, j'ai regardé plusieurs bouquin, mais après, il faut avouer que c'est pas, je dirais, la manière unique de coder le value object. C'est fortement conseillé de le coder comme ça. Il y a certaines particularités dans le codage. Ok, tout le monde voit mon code. Je passe rapidement sur le chat. C'est bon, vous voyez. Oui, voilà, si le nickname pouvait changer, voilà, etc., etc. Ouais. Mais dans mon cahier des charges, c'est très simple. Le nickname ne peut pas changer. Ok, alors, j'y vais. Je. Tac, 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 tac. Où j'en suis? Package, tac, 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 live. J'avais préparé ça. Champ, voilà, ça c'est le nom du package. J'espère pas me tromper là-dedans. Public, classe, player. Hop, ça c'est fait. Tac, voilà. Donc là, je suis en train de définir ma classe player. Vous y voyez bien, c'est bon, c'est pas trop petit. Je pose la question. Ouais, c'est bon, visiblement, tout le monde y voit.
OK. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que mon player était défini par un nickname. Alors, l'important, très important quand on fait un value object, c'est de se dire que cette valeur, elle est propre à l'objet, elle ne peut pas être modifiée. Donc, tac, 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 de suite, moi, ce que je fais, c'est que je la mets privée et vous verrez que je ne mettrai pas de setter. Donc, ça, c'est le point important. Et donc, du coup, comme elle ne peut pas être modifiée une fois qu'on a créé l'objet, ce qui est super important, c'est dans le constructeur. Hop, je mets, voilà, je vais y arriver, tac, je mets de suite, tac, comme paramètre du constructeur, je mets le petit surnom, moi je suis un peu fatigué, tac, voilà, tac, là, voilà, ça va aller mieux. Voilà, comme paramètre du constructeur, je mets la fameuse valeur pour cette propriété, dans le nickname, et je l'affecte. Et à la limite, je peux mettre un petit setter, il n'y a pas de souci, je peux donner mon surnom, j'ai pas de problème là-dessus. Tac, 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 hop, hop. Hop, return. Voilà. Donc ça, je dirais, avec ça, on a presque rempli le contrat du value object, c'est-à-dire que vous voyez, cet objet, il va être constant en fait, quoi. On peut pas changer son état, donc il n'a pas d'état en quelque sorte, quoi. Alors moi, ce que je fais, bon, c'est vous qui voyez, j'ai vu ça, je pense dans le bouquin rouge, j'ai vu ça dans différents blogs. Ici, en fait, je vais utiliser un setter, donc je vais faire set nickname, et ce setter, il va être privé. Alors ça, c'est parce que en fait, quand vous allez avoir des value objects vont être un peu gros, avec plusieurs propriétés. Ce qui peut se passer, c'est que le constructeur il va y avoir beaucoup de code dans le constructeur. Donc moi, j'aime pas que mon constructeur il soit trop gros. Donc du coup, je fais des setters privés. Et étant donné que je viens de dire ça, je viens de me rendre compte que voilà, il est vraiment privé. Mon setter, tac, 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 this.nickname égale nickname. Ça me permet juste, si j'avais eu différentes propriétés, hop, mon constructeur, il appelle que les setters ici, quoi. Ça me permet d'alléger un petit peu mon nickname. Alors, l'autre chose que je fais, mais là, on est limite dans le partage de façon de coder, c'est plus du tout DDD. Remarquez, je l'ai vu ça un petit peu dans le DDD. Je fais une vérification toujours, hein, des fois que ça soit pas nul. Et si c'est le cas, je jette une runtime exception. Donc moi j'aime bien return new illégal. Est-ce qu'il va me le trouver? Illégal argument exception. Voilà. Et je mets un petit message qui dit nickname cannot be null. Voilà. Donc ça c'est juste ma façon à moi. Qu'est-ce qu'il a? Il me veut pas. Ah mince. Ah, il aime pas le message. Bah, écoute, on va mettre un message là. C'est un petit peu du sale. Quelqu'un est en train de me dire ce que j'ai fait comme bêtise. C'est ça, c'est souvent le cas. Ah oui. Non, c'est une runtime exception. J'ai pas. Oui, trop. Oh, excusez-moi. Je fais trop de JavaScript en ce moment. Merci beaucoup. C'est gentil. Donc, vous êtes tout à fait d'accord avec moi sur la façon dont je code. Alors, ce petit truc, ça, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment DDD, mais ça aide, je trouve, d'avoir une bonne gestion des paramètres. Alors, j'ai vu qu'il y avait des commentaires. Je vois qu'il y a des bons codeurs ici. Merci beaucoup. Alors, en faisant ça, j'ai presque fini parce qu'il me manque un tout petit truc, c'est l'égalité par la valeur. Et pour cela, comme je suis en JavaScript, je dois overrider, là, donc ça c'est le truc, parce que je suis en JavaScript, deux méthodes qui sont publiques, booléennes. Y arriver, boolean, oh bah bravo, boolean equals, alors j'ai pas mal de questions dans l'oreille, je vais venir sur vos questions, oh hop, donc j'ai ces deux méthodes que je vais coder de suite, hop là, override, tac, public, c'est quoi, c'est int, de mémoire c'est hcode, j'espère que c'est comme ça, ouais, et ça suffit, donc je dois les réécrire. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc, if o instance of player, et je vais mettre un nom devant. Si machin n'est pas une instance de player, donc je retourne false. OK. Alors, voilà. Bien sûr. Hop. Hop, hop. Ça marche comme ça. Ça doit presque marcher si mon éditeur me laisse. Je vais mettre la deuxième paramètre. Ouais, j'ai pas encore tout à fini. Calmos. Ensuite, je vais caster player, other, player.
Hop là, je le caste en player. Tac. Oh, pouf. Et je vais faire un return au point nickname. Ça doit marcher, ça. Ah, mais c'est presque ça. Donc, je vais aller faire nickname.compare to other player. On va y arriver. Point nickname. Hop. On va y arriver, égal à 0. Ça, ça marche. Ouais, ça marche. Donc là, j'ai rempli ça. J'arrive, hein, je vois que vous avez pas mal de dans l'oreille. Pouf, 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 là, hashcode, qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'avais fait un truc qui était quand même sympa. C'était utils. Oh, je ne l'ai plus. Alors, je vais penser sur vos questions. Tac, 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 tac. Ah, qu'est-ce qu'on me dit ici? Oula, il y a plein de... Ah, oula, il y a plein de commentaires. Ben, je verrai ça après vos commentaires. Alors, je me rappelle plus. Excusez-moi, je vais prendre, hein, comme je vais quand même un peu préparer. Voilà, le seul truc. Voilà, object.h. Ça, c'est magnifique, ça. Object.h, tac, ici. Oui, j'avais prévu une correction. On ne sait jamais, quoi. Hop, hop, et voilà. Donc, voilà. Donc, là, j'ai fait mon player. Je vais peut-être vérifier que ça compile. En principe, il n'y a pas de souci. Et en fait, ce qui est important, c'est que l'état ne change pas. J'ai l'égalité par les valeurs. Je ne peux pas faire de setter et j'ai mon get. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Une façon de coder le value object. Ce qui est important ici, c'est que l'état ne change pas. Alors, voyons voir. On a des interactions ici. Ah, d'accord. Donc là, on a Lombok qui nous explique que c'est... Ah oui, d'accord. Effectivement. Mais ça, on en reparlera à la fin. Je serais assez content de... Ou encore, effectivement. OK. Alors, pouf, pouf, je reviens sur mon slide. J'en étais où? J'en étais là. Tac, tac, tac. Vous avez tous deviné, effectivement, que c'était, tac, le boxeur qui était ValueObject. Et... comment je le code? Eh ben, ce qui est important, c'est que votre constructeur doit vérifier vos paramètres et les CT. Donc ça, c'est très important, vos propriétés. Tout doit être géré dans le constructeur. On peut mettre des getters, il n'y a pas de problème. On ne doit pas mettre de setters, ça c'est vachement important. Alors moi, j'utilise des setters privés, à vous de voir. Et par contre, comme on est en Java, il faut surcharger hein, equals et hashcode pour faire en sorte qu'on ait l'égalité par les valeurs. Voilà, ça vous va? Je passe savoir s'il y a des petites questions d'entre vous. Donc là, il y a pas mal de remarques de développeurs qui me disent on peut coder ça autrement, ça c'est assez intéressant. Mais est-ce que vous avez des questions sur ces principes de base du développement? Oh, c'est joli la mise en abîme là. Pourquoi runtime exception? Ouais, alors ça, c'est... pourquoi est-ce que nickname n'est pas final? Alors ça, je pense qu'on doit pouvoir le faire, mais comme je fais un setter privé, je pense qu'il ne voudra pas sur le setter final. Mais ouais, dans l'esprit, si on peut le faire, ça marche. C'est parce que moi, je fais un setter, hein, du coup, je pense qu'il doit, il doit refuser. Runtime exception, je l'ai lu, je l'utilise, je trouve ça pas mal. Ça fait en sorte que quand ça arrive, ça plante. Et donc, du coup, il faut vraiment, dans la façon dont on fait les tests, il faut bien vérifier que ça n'arrivera jamais. Sinon, c'est ce que je faisais avant, quand on fait pas de runtime exception, on fait try catch, et dans le catch, on met e.printStackTrace, et puis on fait pas bien autre chose. Voilà, donc j'espère avoir répondu rapidement à vos premières questions, puis si vous voulez, on reviendra un peu plus en détail à la fin de l'exposé. En tout cas, dans un temps à peu près record, j'espère vous avoir à peu près transmis comment on peut coder un value object, et ce que c'est qu'un value object. Un value object, c'est une constante. Alors, ce qui est super important, c'est que rien qu'avec ce concept, vous pouvez reprendre tout votre code Java ou autre, si c'est un peu objet, et vous poser les questions, est-ce qu'il n'y a pas des objets que j'ai codés un peu à la Java Bean, mais en fait, qui sont des constantes? Et si vous en trouvez, eh ben, il faut absolument mettre en place ce pattern de tactical object, de value object, pardon. Il faut absolument mettre en place, ça va vous épargner de nombreuses erreurs, notamment des problèmes d'encapsulation où des fois on retourne une copie parce qu'on ne veut pas qu'elle soit modifiée. Mais en fait, on sait très bien qu'on ne devrait pas avoir le droit de la modifier. Donc, si vous mettez dans votre code des value objects, vous allez beaucoup moins souffrir de problèmes d'encapsulation. Et pour l'avoir fait dans pas mal de mon code, il y a pas mal d'objets que j'avais codés à la Java Bean qui sont en fait des value objects. Donc, c'est assez sympa et on peut les mettre un peu partout finalement. Et puis du coup, on ne se pose plus du tout de problème. Une fois que c'est instancié, on l'a, on peut les changer partout, il ne sera pas modifié de toute manière.
Ok, je passe au deuxième, l'entity. Alors, l'entity, là, on est vraiment dans l'objet classique, dans le sens où, alors ça, c'est des vidéos que j'avais fait sur YouTube il y a un petit moment déjà, où qu'est-ce que c'est qu'un objet classique ? Un objet classique, il a un identifiant. Voilà, celui-là, c'est le numéro 1. Et quand je lui pose une question, je pose une question au numéro 1, et ça sera différent que quand je lui envoie un message au numéro 2. Voilà. Donc, il a un vrai cycle de vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les méthodes qu'il propose, quand j'appelle ces méthodes, eh bien, le traitement va dépendre de son état interne à cet objet. Donc ça, c'est important. Donc, il est défini par son ID. Il peut posséder, mais alors, est-ce qu'on dit vraiment posséder des value objects ? Parce que, à la limite, c'est pas bien grave. S'il les donne, je veux dire, il pourra pas changer. Donc, il peut avoir des références vers des value objects. Ça, c'est intéressant. Il peut être connecté avec des autres entités. Par contre, il est connecté avec des autres entités. Donc là, il les possède pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces autres entités, il y a peut-être des gens qui vont demander, qui vont leur envoyer des messages et qui vont changer de fait leur état. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Il y a des setters, mais plutôt que de setters, on va parler de business setters. Donc, on va essayer, quant au code une entity, de ne pas faire de set XXX ou XX serait le nom de la propriété, mais plutôt, on va essayer de mettre une méthode qui a du sens d'un point de vue métier. L'exemple qui est souvent donné, c'est celui, vous avez un être humain, hein, par exemple une fiche d'une personne, et elle a une adresse, voilà. Et donc l'adresse, ça serait un value object, donc ça c'est intéressant, et on a envie de dire qu'il peut déménager. Et comment on aurait pu connaître ça en JavaBeans ? On aurait fait cette adresse. Voilà, dès qu'on déménage, c'est cette adresse. Et ce qu'on nous conseille, c'est plutôt que de faire cette adresse, c'est de faire la méthode move. Voilà, move, c'est quand vous déménagez. Ou si ça avait été en français, on l'aurait appelé déménage. Quoi. Donc, ce qui permet peut-être de faire souvent des méthodes qui sont à peu près comparables, mais là, on arrive avec le refactoring à composer ces méthodes et à faire en sorte qu'on n'a pas de redondance de code. Mais surtout, on va améliorer la lecture du code et le lien avec le métier. Quoi. Donc, ça, c'est important. Faut faire gaffe à l'encapsulation. Ça, c'est super important. Ça veut dire que si vous êtes lié, si vous avez des données à l'intérieur qui sont à vous, hein, donc si vous avez des value objects, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des données qui sont à vous, qui ne sont pas des value objects, mais des trucs qu'il ne faut pas échanger, il ne faut pas faire de getter. Hein. Donc ça, c'est vachement important. Donc, responsible, ça veut dire quoi ? C'est vraiment un objet qui est responsable. Donc quand on lui demande l'exécution d'une méthode, il fait exactement ce qu'il a dit qu'il devait faire. Alors, des petits exemples. On a la calculette avec mémoire, par exemple. On a un bouquin que je pourrais emprunter. Voilà, c'est mon exemple ici. Ou l'exemple classique de la pile, voilà, où on peut empiler, dépiler. Et effectivement, si j'ai deux piles, c'est pas pareil que d'empiler un élément sur la première ou sur la deuxième pile. Alors, vous avez compris l'exercice. Maintenant, qui est l'entity ? Est-ce que c'est le boxeur ? Non, parce qu'on sait que c'est un value object. Donc, qui est l'entity entre le match et le championnat ? Alors, il y en a qui sont peut-être déjà en train de voter. Je rappelle mon cahier des charges, hein, qui est forcément orienté. Dans mon cahier des charges, le match a un cycle de vie, il démarre. Une fois qu'il a démarré, on peut ajouter des points à le score, et puis il s'arrête. Le championnat a un cycle de vie aussi, mais le championnat, il contient des joueurs, il contient des matchs, et puis surtout, il fait en sorte que quand un joueur est entraîné, est dans un match, eh bien, il ne peut pas participer à un autre match. Donc, il ajoute une contrainte là-dessus. Alors, voyons voir. Ce que vous avez dit. Match, oui, parfait. Ah oui, exactement. Ah non, c'est pas championship, Christophe. On verra pourquoi. Parce que le championship, justement, donc là, c'est la distinction. Le championship va ajouter des contraintes sur un ensemble de matchs. Donc ça, c'est intéressant. Il faut plusieurs entités. On pourrait coder ça avec plusieurs entités. Là, effectivement, vous allez voir que mon code, il est un peu trop gros. Mais avec une, on comprend, quoi. Oui, donc c'est vraiment le match. Christophe, c'est une bonne remarque, hein, parce que vous allez voir que là, le lien entre entity et championship, le lien entre entity et aggregate, pardon, est vraiment pas facile à comprendre, et j'espère qu'à la fin de ce webinaire, ça sera un peu plus clair pour vous. En tout cas, dans mon exemple, c'est dans mon exemple, hein, qui est un peu fait pour ça, je dirais, l'entity, c'est le match. Alors, comment on code une entity ? Une entity, c'est, je dirais, un peu plus facile à coder, dans le sens où on est sur de l'objet traditionnel, tel qu'on connaît. Donc, on a un cycle de vie. Ce cycle de vie, c'est l'état interne de l'objet. Donc, il faut essayer de comprendre quel est cet état. Ensuite, on va avoir des setters qui vont permettre de changer l'état interne de l'objet, et il va falloir faire attention à l'encapsulation, c'est-à-dire quand on va faire des getters, il va falloir se dire attention, est-ce que je peux donner cet élément, s'il fait partie de mon état, peut-être pas, ou bien je retourne une copie. Ok, j'y vais, allez, j'essaye de coder devant vous
le match. Hop, j'y vais. Match, tac, tac. Match.java. Et vous allez voir une façon de le coder. Alors, encore une fois, hein, c'est plus pour essayer de vous motiver à aller chercher. Alors, je suis un peu feignant, hein, je suis désolé. Tac. Je récupère le début au moins. Mais ça, je ne vais pas en avoir besoin, en fait. Donc, ça pouf, tac, tac. Hop, j'y vais. Match, on y va. Alors, quand on fait une entity, ce qui est vachement important, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui fait partie de l'état? Alors, vous allez voir, ça c'est assez sympa parce que un match, déjà, ça contient deux joueurs. Alors, il faut mettre en place ces deux joueurs. Alors, ce que je pourrais faire, à la limite, je pourrais dire, voilà, j'ai le player one et j'ai le player two. Ça, c'est mes deux joueurs qui participent au match. Alors, ce qui est assez intéressant, je vais juste démarrer par ça, c'est que si jamais j'utilise le constructeur comme ça, lorsque je fais un match, hop, je dois lui donner, on va y arriver, qui est le player 1 et qui est le player 2. Donc, je ne peux pas construire de match sans affecter, sans identifier les players, d'accord? Donc là, pouf, 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 qu'est-ce que je fais? Je fais this.player1 égale player1. Alors, j'aurais pu utiliser encore une fois ma petite technique de faire un setter privé. J'aurais pu aussi vérifier que c'est pas nul et retourner une runtime exception. Ok, mais là, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite et je m'arrête là. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est ce que je peux faire sans aucun problème. Si on me demande, par exemple, quels sont les joueurs, quoi, get player, hop. Tac. Je peux retourner sans aucune crainte mes deux joueurs. Donc get player 1, on va pas se prendre la tête, tac. Je peux sans crainte retourner le player 1 parce que c'est un value object. Je suis pas obligé de faire une copie. Donc ça, ce qui est vachement intéressant ici, c'est que je suis pas obligé de faire une copie. Donc moi j'aime bien ce truc-là parce que ça en fait, ça fait pas franchement partie de l'état. De l'objet match, de l'entity match, parce que ça ne changera jamais en fait, c'est constant quoi. Il aura toujours deux joueurs et ça changera jamais. Donc pour moi ça fait pas vraiment partie de l'état. Donc ça c'est intéressant. Ouais, je pourrais mettre un petit commentaire, mais je suis pas très commentaire. Donc voilà. Donc je sais que ça fait pas partie de l'état. Par contre il y a un truc qui fait vachement partie de l'état, c'est ce match, il y a des scores. Donc là je vais dire par exemple il y a le score du joueur 1 et le score du joueur 2. Alors, on pourrait coder ça bien mieux de différentes façons, mais là, c'est juste à un point de vue pédagogique. Donc là, par contre, là, le score, ça fait partie d'un état. Pourquoi ? Parce que il va falloir attendre que le match soit démarré pour pouvoir changer les scores. Donc, en gros, je vais avoir une méthode qui va s'appeler, là, qui va être une méthode business, d'accord ? Donc, public void, définir, alors je suis en franglais, ça c'est define, player one, score, ou change plutôt que define, change, voilà. Player one score, int score, tactique, paf. Et là, je ferai score 1 égale score, un truc comme ça, quoi. Mais ça, je n'ai le droit de le faire que si jamais le match a démarré. Donc là, il y a vraiment d'autres choses qui font partie de l'état. C'est est-ce qu'il a démarré? Et est-ce qu'il est terminé quoi? Is finished par exemple. Ah, donc là, ça fait vraiment partie de l'état. Et d'ailleurs, ces trucs-là, mais je n'ai pas pensé tout à l'heure, mais il faut quand même que je les initialise. Score 2 égale 0. Au début, on va dire qu'il n'est pas démarré. Tac, tac. Hop là. Et on va considérer que is finished. Et c'est égal à false aussi. Voilà, donc ça, c'est mon état initial. Alors, j'ai des questions dans l'oreillette. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il ne faudrait pas mettre PR1 final. Oui, encore une fois. Oui, clairement, parce que j'ai pas le set. Hein, aucun problème. Est-ce que le corps peut passer à n'importe quelle valeur ou juste augmenter de 1? Alors, ouais, dans mon cahier des charges, je ne l'ai pas spécifié. On va dire qu'on peut passer à n'importe quelle valeur. Plutôt que... Oui, 100 fois mieux. Mais vos questions me disent que finalement vous avez compris le point où je voulais aller. C'est juste que voilà, il y a deux choses. Là, il y a une partie qui est vraiment pour moi l'état. Ça va changer. L'état de l'objet. Et là, il y a une partie qui est pas franchement l'état. Mais bon, le match, il a deux joueurs et il fait ça avec. Et ce truc-là, bon là, ça va. C'est des variables. Enfin, c'est des typages de base. Mais si j'avais un moyen, si j'avais mis integer, voilà, par exemple, integer, je ne pas marcher non plus. Bon, si jamais j'avais codé ça d'une autre manière et que la personne voulait obtenir le score et que je donne mon état et qu'on peut le changer à l'extérieur, j'ai un problème d'encapsulation.
Donc là, il n'y a pas de problème, hein. Enfin, y a, pardon, il n'y a pas de solution, c'est les anciens problèmes. Il va falloir faire super, super gaffe à l'encapsulation. Donc ici, je suis assez tranquille, hein, parce que c'est des entiers de base et c'est des booléens. Du coup, ici, voilà, est-ce que je peux changer le corps? Ah, bah, non, avant, il faut faire if is started, voilà, si j'ai démarré, tac, et que ce n'est pas fini. Voilà. Si c'est comme ça, je peux changer le corps. Je peux changer le score. Sinon, je pourrais me dire, bah non, tu jettes une exception, etc. Donc je pourrais faire une exception. Ça vous dit, vous voulez que je fasse une exception? Je pourrais faire un throw, tac, 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 new, et là je vais l'appeler champ exception. Je vais quand même créer ma petite exception. Ça sera un peu plus propre. Exception, voilà. Match did, eh ben, vous voyez ma dyslexie du clavier, did not start. Oui, est déjà fini. Hein. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Et pour ce faire, il faudra que je crée une classe ici, un nouveau fichier que je vais appeler champexception.java. Package champ, non, live.champ. Okay. Public. Class, tac, extends, runtime, exception, bam, tac, tac, public, champ, exception. Je crois qu'il y a un message hein, quand même en Java. Hop, hop, hop. Super, MSG, ça doit suffire. Hop là. Ok, je reviens sur le match. Ok, donc là, vous voyez que ce qui est assez intéressant, c'est que je m'occupe de l'état. En fonction de l'état, j'autorise ou pas la saisie du nouveau score. Et il faudra, alors je ne vais pas tout faire, hein, j'ai une correction, elle est sur GitHub, hein, je vous donnerai le lien. Il faut une correction, je l'ai codée, quoi, disons. Il faudra que je mette toutes les autres méthodes. Donc, par exemple, je pourrais faire une autre méthode métier qui me demande plutôt tac, 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 is finished. Voilà, on me demande, quelqu'un peut me demander est-ce que le match est terminé, quoi. Donc là, c'est relativement simple, hein, c'est retourner is finished. Voilà, tac. Etc. Donc il y a plein d'autres méthodes métiers qui seront nécessaires pour changer le score du joueur 2, pour savoir qui est gagnant aussi. Hein, il y aura forcément une méthode qui va me dire player. Hop, get. Alors get, c'est pas génial. C'est pas super. On a envie quand on fait de sortir de ce get, donc peut-être un who wins. Je sais pas si ça marche ce genre de choses. Mais voilà quoi. Donc il faudra remplir toutes ces méthodes. Pour l'instant, ce n'est pas implémenté. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer que quand je fais une entity, je suis sur du développement traditionnel objet dans lequel j'ai un état. Ça, c'est assez classique. Cet état, il va être modifié par des méthodes métiers. Et le comportement de ces méthodes métiers dépend bien de mon état. Donc là, si vous êtes dans ce cadre-là, vous êtes clairement sur une entity. Et il dépend de rien d'autre, là. Vous voyez que là, tac, tout est contenu dans Match. Donc là, vous êtes clairement dans une entity. Si votre entity, elle contient des value objects, eh bien, pas de problème. Et en plus, c'est génial parce que vous n'allez pas souffrir du problème de l'encapsulation. Si on avait eu des objets ici pour définir l'état, eh bien, il faudrait faire très attention de ne pas retourner n'importe quoi. Donc, ça, c'est, par exemple, là, tiens, bah, ça j'y pense. Imaginons ici, si j'avais fait un set, voilà, ça c'est le bon exemple des choses à ne pas faire. Si j'avais fait un set de players, hop, en mettant ici players, et ici, tac, tac, si j'avais fait par exemple players égal new, je vais prendre un H7, ça doit marcher, ça non? Ouais, tac, ça c'est pas mal. De player, tac, 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 tac. Et si j'avais fait, il n'aime pas H7, il n'a pas compris. Si, il aime bien H7, tac, tac, voilà, tac. Si jamais j'avais fait players.add, hop, player 1, oups, player 1. Et si j'avais fait la même chose avec player 2, et ici, si j'avais fait get players, alors j'aime pas c'est pas très joli, mais j'espère vous faire passer vraiment le concept que je veux mettre derrière, hein, qui est ici, vous avez, ceux qui ont compris, je suis en train de faire des bêtises avec mon encapsulation. Si je fais ça,
Vous êtes d'accord avec moi que je suis en train de faire une grosse bêtise parce que je donne à l'extérieur un état ici. Je donne mon état et n'importe qui va pouvoir me changer mes players. Alors que moi, je voulais que ça ne change pas la création. Voilà. Donc là, on est sur du développement relativement traditionnel, objet. On est sur une entité. Alors, il y a eu des questions. Quelles étaient les questions? Tac, tac, tac. Manque le else. Où ça, il manque le else? Là. Non, ça fait le job, c'est ça, c'est là? Non, non, ça fait le job. Ah, j'aurais voulu que je mette un else ici. Ah oui, ça, mais non, vous avez entièrement raison. Sinon, ça fait le job et ça sera une exception. Comme quoi, comme... Désolé. Sinon, oui, sinon ça fait le job et ça jette une exception, ce qui n'est pas complètement, ce qui est pas complètement génial. Oui, exactement, effectivement, c'est mieux de le faire avant. Ouais. Ouais, donc bon, vous avez compris le truc. On est bon sur Entity, ça vous va la façon de coder ça? Alors j'ai fait un petit résumé, tac, tac, tac. Hop là. Donc le petit résumé, hein, on est bien là-dessus. Non, je suis allé un peu tac, tac. Voilà. Le petit résumé, donc bien sûr, c'était celui-là. Le petit résumé, c'est qu'on va falloir identifier l'état. Donc, c'est ce qui va gouverner le cycle de vie. Donc, alors là, il y a quelque chose, c'est une réflexion interne. J'entends beaucoup de blogs ou d'exposés qui disent Entity, il y a un ID. Ce qui est important, c'est l'ID. Moi, j'ai plus envie de dire que ce qui est important, c'est le cycle de vie. Voilà, ça, c'est pour moi, c'est plus important. Donc, l'ID est important, c'est sûr, mais parfois, on se mélange parce que c'est, je sais pas, c'est, voilà, il y a un numéro qui permet d'identifier le truc de manière unique, mais il ne change pas. Alors, c'est un value object qui est un numéro. Voilà, ce qui est vraiment important dans l'entity, c'est qu'il y a un cycle de vie propre à l'objet. Donc, l'objet, il contrôle son cycle de vie. Donc, deux objets de la même classe vont chacun contrôler leur cycle de vie et donc, il faut pouvoir les identifier. C'est sûr, mais de là à dire qu'il faut absolument mettre une propriété ID dans tout value object, là je suis moins sûr. Voilà, je sais pas si c'est absolument nécessaire pour faire un entity. Ce que je suis en train de dire, c'est que il y en a qui vous diraient il faut absolument mettre ici l'ID du match. Voilà, je pourrais mettre un entier par exemple qui serait l'ID. Ah, j'ai pas mis les privés. Vous auriez pu me dire quand même. Il y a rien qui est privé chez moi. C'est pas très joli. Hop là, comme ça on va faire. Tac, et tac, voilà. Certains voilà, vous disent voilà, un entité, il faut absolument qu'il ait l'ID. Moi, dans mon exemple, j'en estime pas le besoin parce que ben, quand je ferai un new match, je sais que c'est ce match-là. Puis je retrouverai les matchs en fonction des players, ce genre de choses. Mais par contre, ce qui est sûr dans mon exemple, c'est que il y a un cycle de vie propre à l'objet. Et c'est lui seul qui contrôle son cycle de vie. Donc ça, c'est important pour moi. Je pense que c'est plus facile de distinguer comme ça. Il y a des setters, oui, bah forcément, voilà. Mais les setters, plus que des setters, c'est plutôt des business state evolution. C'est des méthodes qui vont changer l'état, mais qui vont essentiellement demander un traitement business. Et donc, il faut faire super gaffe à l'encapsulation. Alors, j'ai eu une petite question, peut-être une réaction par rapport à l'ID. Peut-on dire que le match est entièrement défini par ces deux joueurs? Ah, ça, c'est une bonne question. Non, dans le sens où moi j'ai des petits moteurs hein, quand je l'ai codé, vous verrez ma version. J'ai des petits des finders qui permettent de retrouver des matchs en fonction des joueurs. Mais l'ordre est important et c'est dans mon cahier des charges qui est vraiment trop léger quoi. Mais ce que je veux dire avec cette notion d'ID, c'est que ce qui est important, c'est que chaque match, chaque entity gère son cycle de vie de manière complètement indépendante quoi. Donc c'est vraiment cette notion de responsabilité et c'est pas obligé de faire une propriété ID. Enfin ça c'est ma conviction personnelle. Je sais pour avoir échangé avec pas mal de développeurs qui sont DDD autant que moi si ce n'est plus, eux ils disent ouais mais c'est quand même mieux quand il y a un ID. Voilà donc bon, on va pas trancher le débat. Je pense que ça c'est pas super intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est de bien comprendre la différence entre value object et entity. Entity a un vrai cycle de vie quoi. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Alors le dernier, on arrive à la fin de ce webinaire et de cette session live coding, qui est l'aggregate. Alors l'aggregate, bien sûr, ça sera le championnat, mais c'est ça qui est difficile à comprendre avec l'aggregate. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aggregate, c'est un objet composite, donc c'est le championnat, il contient des boxeurs et il contient des matchs. Mais ça, c'est pas suffisant, parce qu'il y a un autre concept que j'ai pas présenté dans le DDD, qui est le concept de repository, où on a un sac, donc un sac, ça contient. Quand on dit contient, ça veut surtout dire que ça contient et ça contrôle le cycle de vie. Donc c'est ça qui est difficile à comprendre. C'est-à-dire que non seulement le championnat contient des matchs, mais il contrôle leur cycle de vie. Pourquoi ? Parce que le championnat peut interdire un match de commencer,
Si jamais il y a un autre match qui a déjà commencé dans lequel il y a deux joueurs qui jouent. Vous voyez, ça, c'est ces conditions qui sont difficiles à bien comprendre, et c'est des conditions qui portent sur des entités. Et c'est ça qui est vachement important, en fait. Plutôt que de songer à cette notion, pour ceux qui ont lu des choses sur DDD, on dit il y a un arbre, il y a la racine, etc. Il vaut mieux comprendre, à mon avis, cela comme ça, c'est-à-dire que vous avez un concept central au niveau, donc là c'est le fameux root, qui a un cycle de vie, donc ça c'est sûr, donc il y a une espèce d'entity au sommet là, mais c'est surtout un objet composite qui va contenir d'autres entities et d'autres value objects, et surtout s'il contient d'autres entities, il va contrôler leur cycle de vie. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que le championnat, quand il contient un match, il contrôle son cycle de vie, il va interdire ici le match de commencer, parce qu'il y a un autre match qui a commencé avec le même joueur. Donc c'est ça qui est vachement important dans Aggregate, et on pourrait dérouler plein d'exemples où vous allez avoir ça, où vous allez avoir des contraintes qui vont s'ajouter aux objets. Et ça, ce qui est super intéressant, c'est qu'on ne sait jamais où les coder, ces trucs-là. Et là, ce qu'on nous dit, c'est bah, il faut les coder dans l'Aggregate. Donc ça, c'est pour moi le truc le plus intéressant. Il y a une petite question. Non, il n'y a pas d'autre question. Ok, c'est un autre truc qui a bipé. Ok, alors. Comment on code un aggregate? Ce qui est important pour moi, c'est de savoir qui sont les composites. Quelles sont les entités qui sont contenues dans l'aggregate? Et une fois qu'on a compris quelles sont ces entités qui sont contenues, qui sont composées en fait, c'est comment est-ce qu'on l'état du championnat va contrôler le cycle de vie, voilà, life cycle governance. Comment on contrôle le cycle de vie? C'est ça qui va être dur à coder quand on fait un aggregate. Et c'est ça qui est important. Et là, vous avez une bonne différence entre ces trois concepts que sont le value object, l'entity et l'aggregate. Allez, j'essaie de le coder rapidement et puis on arrive à la fin de ce webinaire. J'y vais, nouveau fichier et je l'appelle Championship. Ici, il est voilà. Donc, package live.champ. Tac, 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 tac. Public class Championship. On est bon. Tac, tac. Alors voilà, donc là l'idée c'est de se dire, ok, alors qu'est-ce qu'il contient? Donc là j'ai mis un set de players, ça je pense que c'est important, bon je vais l'appeler player, c'est pas très inspiré comme nom, mais il contient un set de players, et surtout, voilà, alors ça c'est ma façon à moi de le coder dans cet exemple, hein, mais j'ai considéré qu'il allait contenir l'ensemble des matchs. Voilà, donc ça c'est important. Et ce que je fais plutôt, c'est je fais, alors j'ai fait ça comme ça, est-ce que je peux faire? Je pense de pouvoir faire ça. Donc il y a le set des matchs. Voilà, tac. Ça c'est tous les matchs qui ont été joués. Donc on peut dire, voilà, ça marche comme ça. Et j'ai fait un autre truc, vous verrez que ça va m'aider. Oh, est-ce que je ferai ça après. Ok. Donc là, je fais le constructeur public championship. Tac, 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 tac. Donc là, je mets à jour, enfin, j'instancie mes HMAP. Ah, ok, ça c'est player. Tac, 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 tac. Match, on va y arriver. Je vais essayer d'aller rapidement à l'endroit où je veux vous emmener et ensuite. Ça devrait être bon. Hop, pof, pof, tac, tac, tac. Alors, l'endroit où je veux vous emmener. Ouais, players. Ok. Tac. Et il n'a pas aimé HMAP. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il n'a pas aimé HMAP? Si, il a aimé HMAP. Ouais, bon, c'est bizarre. Tac. J'ai foiré un truc. Ouais, 7. C'est pas HMAP. H7, ça va être mieux. Hein. Là. C'est juste. Arrivé. Voilà. Voilà. Ouf. Des fois, on n'est pas bien concentré. Ok, parce que je suis concentré sur là où je veux vous emmener. Et ce que je veux faire ici maintenant, c'est voilà cette notion. Est-ce que je peux démarrer un match? Donc là, c'est le championnat qui va avoir le droit de démarrer un match. Donc là, j'ai envie de dire, ok, maintenant, démarre ce match. Donc start match entre le joueur 1 et le joueur 2. Player 1 et player. Voilà. Et c'est là en fait où ce qu'il va falloir que je fasse, c'est est-ce que, donc là il faudrait que je, ok, if player 1 and player 2 are not involved, mon anglais est magnifique, involved in another
match. Donc en fait, l'idée là, c'est que je ne peux commencer ce match que si aucun des joueurs n'est impliqué dans un match existant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire un petit truc qui va m'aider. C'est pour ça que j'avais le map en tête. Je vais faire une map dans laquelle je vais associer les joueurs avec les matchs. Et là, c'est, je vais dire, j'ai pas trop d'idées. Je vais l'appeler match player. Oula, c'est pas très bon comme nom. Hein. Je suis un peu à sec là, comme inspiration. Mais en fait, l'idée que j'ai, c'est qu'à chaque fois que je vais ouvrir un match, je vais dire que ces joueurs sont tac-tac dans un match. Et du coup, je vais pouvoir assez facilement savoir si jamais j'ai des joueurs qui sont dans un match ou pas. Donc là, par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vais pouvoir mettre match player. Point, ça doit être get, ouais, super, player one. Ok, oh, même je peux. Est-ce que je peux faire get ou. Là, ça me retournait un match. Si je fais ça, ça me retournait un match. Et est-ce que si. Iske, il y a un truc comme ça en Iske. Donc là, tac, tac, ça fait compte Iske. Voilà, c'est encore mieux. Player one. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, et là, plutôt, c'est. Plutôt que match player, c'est match currently played. Oh. Played, un truc comme ça. J'espère que vous comprenez mon idée. L'idée, c'est de se dire, voilà, grâce à ça, alors ça vaut ce que ça vaut, on pourrait le coder une milliard de fois mieux, mais là, je veux, c'est plutôt une vue pédagogique, je veux vous montrer qu'en fait, le championnat contrôle le cycle de vie des matchs, quoi. Donc ça, c'est un booléen. Booléen, donc, tac, player one is involved, ça doit marcher. Involved, tac, tac. Et j'ai qu'à faire exactement la même chose avec player 2. Arriver, tac, tac, tout, voilà. Et là, du coup, je fais if player 1, il veut bien m'aider, voilà. Et player, alors, ou plutôt, c'est mieux. Si le player 1 ou le player 2 ne sont, là, je fais rien. Donc, il faut mettre un gros nom dessus. Alors là, la logique, à ce niveau du webinaire, j'avoue que j'ai des petits doutes. Et là, si c'est le cas, ouf, donc il n'y en a aucun des deux qui est impliqué, eh bien, dans ces cas-là, je peux créer un nouveau match. Donc, je crée un nouveau match. Pardon, excusez-moi. Je crée un nouveau match dans lequel je mets player 1, player 2. OK. Donc, ça, c'est mon match. Et hop, match.start. Alors, le créer, c'est même pas sûr, parce que ça se trouve, ils auront tous été créés avant. Donc là, il faudra plutôt que de le créer, il faudra le rechercher. Donc voilà, donc ce que je voulais vous montrer, donc c'est codé un peu bizarrement, et vous verrez dans ma espèce de correction, là, que j'ai été un peu plus. J'ai pris beaucoup plus de temps, donc j'ai été un peu moins bourrin, je dirais. Ce que je voulais vous montrer, ce qui est super important ici, c'est qu'on voit bien, là, on voit bien que le championnat, il contient des matchs, il contient des joueurs. OK, donc sur les joueurs, ça va être plus facile parce que on est sur des value objects. Sur les matchs, il faudra se méfier parce que là, on est sur des entities. Et ce qui est important, c'est qu'il contient ces matchs-là, donc il contrôle leur cycle de vie. Donc, il faut absolument pas qu'il les exporte. Donc, il faudra jamais, voilà, les matchs, ils sont construits en interne et il faudra jamais qu'ils les fournissent à l'extérieur. Parce que si on fournit la référence vers le match, n'importe qui peut faire match.start. En fait, il n'y a que lui qui peut faire match.start. Donc, ça, c'est vraiment cette notion d'aggregate où il va mettre une espèce de cloison, il va interdire l'extérieur, je dirais, de pouvoir modifier les matchs. Donc, c'est ça, c'est vraiment ça un aggregate. Vous voyez, donc, j'essaye de le montrer très. Simplement sur cette méthode où là on voit qu'il y a vraiment un contrôle. Donc non seulement je contiens, mais en plus je contrôle. Et là il y a plein d'autres choses. Hein. Là j'ai bien sûr pas codé le reste. Il faut rajouter le propre state de l'aggregate. Donc boolean, est-ce que lui il est started, est-ce qu'il est commencé, etc., etc. On a tout l'état bien sûr et il faudrait que je vérifie tous ces contrôles. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des questions dans le temps? HMAP, ouais, là, c'était mon. Oui, c'était un peu mieux, quoi. Oui, l'idée. Alors, voilà. Donc là, on va peut-être venir sur ces questions et ces fameuses idées tout à la fin, quoi. Alors, je conclue, comme ça, on a fait le tour et je voulais tenir une heure à peu près, pas beaucoup plus, quoi. Donc, je conclue. Donc, voilà. Donc, l'objet de ce webinaire, c'était de présenter des tactical patterns. Pour ceux qui les ont jamais vus, je pense que vous voyez l'intérêt, c'est que tout n'est pas objet, finalement. Les value objects, c'est des constantes. Les entities, c'est vraiment des objets classiques. Mais les aggregates, là, c'est des objets composites qui
qui gouverne le cycle de vie des objets en interne. Il y a d'autres choses dans le DDD, dans les patterns tactiques. Il y a le repository, donc là c'est un sac, c'est un ensemble d'objets, donc c'est un peu plus facile. Service, ça c'est super intéressant, donc c'est une fonction. Oui, on peut faire des fonctions en objet, mais à un moment donné c'était un peu compliqué, maintenant ça l'est beaucoup moins. Event, etc., etc. Donc j'espère vous avoir donné envie, et vous voyez que ce qui est assez marrant maintenant, c'est que quand je regarde du code qui a été écrit en DDD, je peux moi savoir si c'est un value object, si c'est un entity, si c'est un agrégat, j'arrive à le lire dans le code en fonction de ce que fait le code, quoi. Voilà. Quels sont les next steps? Il va y avoir une petite session aux questions pour ceux qui en ont et qui veulent rester, quoi. Sinon, ce que je vous invite à faire, c'est prenez votre code, celui que vous avez écrit peut-être un peu trop en Java Bean, et essayez de renforcer le lien business, parce que le problème de Java Bean, c'est qu'on a cette fameuse, on oublie un petit peu les motivations métiers, et essayez de renforcer ce lien business déjà en cherchant les value objects, en cherchant les entities, en cherchant les aggregates, et vous devriez gagner énormément en qualité. Voilà, je m'arrête là et je suis prêt à répondre à vos questions. Alors, qu'est-ce que tu penses du support du langage par rapport au DDD? Merci Christophe, à une prochaine. Alors Sébastien, est-ce que tu peux préciser ta question du support du langage par rapport au DDD? Alors, est-ce que c'est, parce que j'ai déjà eu cette question, on m'a dit s'il doit y avoir un lien avec le métier, et si le métier est en français... je viendrai sur JavaScript. Mais on m'a dit, si le métier est en français, est-ce qu'on doit dans le code écrire des mots français? Et là, j'avoue que je sais pas, je suis pas fan du code français, mais effectivement, si le métier est français, est-ce qu'il vaut mieux pas appeler les classes par des termes qui sont vraiment des termes business et les mettre en français? Donc, j'ai pas super d'avis là-dessus, mais si c'est ça ta question, ouais, je conçois que ça soit voilà. Alors non, c'était pas ça. Est-ce qu'il y a des langages où tu es plus à l'aise parce que plus proche? Je réponds avec cette question, d'accord. Donc j'étais complètement à côté de la plaque dans la question. Et donc ça va lier la question avec la question de Christophe. Qui dit DDD JavaScript. Alors moi j'ai essayé DDD JavaScript et rapidement, alors c'est peut-être ma faute, donc moi j'adore JavaScript, hein, j'aime bien le fait qu'il y ait un typage dynamique et que bon ça soit un peu sale aussi, je peux faire un peu n'importe quoi, ça m'amuse beaucoup. Et je me suis dit, dès que j'ai voulu faire DDD, j'ai voulu être super propre, ajouter du typage, etc. Et il faut faire attention à l'encapsulation, et en fait en JavaScript, dès que vous voulez un peu interdire par le langage l'encapsulation, il faut faire de ces constructions, donc qui sont faisables, hein. Il y a pas mal de gens qui ont travaillé là-dessus, mais je me suis dit, mais mon truc il est lisible, quoi. Ça serait plus simple de dire ça c'est un value object, et puis c'est en JavaScript, donc il peut changer, ouais, si tu le fais changer, c'est dommage. Donc j'étais en train de me dire, en fait ce qu'il faudrait mieux, c'est mettre une annotation dans le code, où on dit ce truc est un value object, si tu le changes, c'est pas bien. Et il y a quelqu'un qui m'a pointé quelque chose qui s'appelle ArchUnit, je sais pas si vous connaissez. ArchUnit, c'est exactement cette idée, je crois, et je l'ai mis dans ma to-do list. ArchUnit, c'est visiblement un framework de test qui permet de vérifier l'architecture de votre projet. En gros, l'idée, c'est je mets des annotations dans le code, et dans mon code JavaScript, je dirais voilà, là, j'ai un value object, et l'idée, c'est d'aller vérifier un peu partout dans le code qu'on modifie pas cet objet. Si quelque part on modifie cet objet, c'est pas un value object. Je suis pas sûr que TypeScript change ses limitations. TypeScript est vachement intéressant parce qu'on peut faire du typage quand on veut et pas de typage quand on veut pas. Donc si on fait TypeScript avec que du typage, peut-être que ça peut aider. Mais tout dépend comment on emploie TypeScript. En tout cas, oui, ça rajoute quelques notions sur l'encapsulation. Est-ce que ça correspond à n'importe quelle taille de projet? Alors, c'est plutôt fait pour les gros projets, DDD, je pense. Parce que ça permet de bien ranger, surtout avec le stratégique que j'ai pas du tout présenté, ça permet de bien ranger les termes, mettre les frontières, isoler les différents sous-composants. Donc c'est plutôt à la base fait pour les gros projets quand on n'arrive plus à maintenir. Et moi je l'enseigne ici au master sur les petits projets, et finalement il y a énormément de gains. Parce que c'est quand même un peu plus lisible ces concepts, et puis surtout on n'a plus trop les migraines, hein, sur l'encapsulation. Dès qu'on met des value objects, on est quand même assez content de dire, ah, c'est cool, c'est un value object, je le sais, j'ai pas trop besoin de mettre la migraine sur l'encapsulation, de faire des copies et tout ça. Donc ça c'est cool, quoi. Donc voilà, Thomas, je réponds à ta question en disant ouais, je pense que ça peut correspondre à n'importe quelle taille de message. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions qui sont écrites. S'il y en a d'autres, allez-y, hein, n'hésitez surtout pas. Est-ce que j'ai le lien tac tac GitHub? Oh, je vous enverrai le lien, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, avec Cédric je pense qu'on pourra envoyer le lien du GitHub dans lequel j'ai tout codé. D'autres questions? Juste un petit sondage, qui avait déjà entendu parler de DDD et qui codait déjà en DDD, quoi?
Je pense que je peux arrêter le partage même. Ouais, plusieurs, d'accord. Ça va pas trop. Ah, d'accord. C'est marrant ça. Et donc, pas trop surpris de la façon dont j'ai présenté les concepts, ça vous va? Moi, je sais que le 7 heures en privé, ça a surpris certains. Et ma notion de présenter l'aggregate, par contre, pas mal qui m'ont dit, ouais, c'est un peu différent, mais ça aide un peu. Je sais pas si vous avez d'autres feedbacks à me donner là-dessus. Je suis preneur, hein, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est de communiquer, d'échanger. Je me prétends pas être un grand sachant, quoi. Merci, Denis. Ciao. Cargo Cult Programming, faudra m'exprimer. Faudra m'expliquer le terme. Je suis preneur. Je vais le noter, je vais chercher ça. Les agrégates, ouais, c'est différent, mais ça aide. Ouais, je pense aussi. Je pense de le présenter comme ça. Moi, ça m'a vachement facilité la compréhension. Je pense qu'on zoome trop sur ce côté arbre, route, etc. Quoi. Doing stuff just because. Non, mais moi, c'est parce qu'en fait, j'avais j'irai voir, ouais. J'avais des constructeurs là, la méthode build, enfin le constructeur, il était comme ça quoi. Donc j'ai préféré mettre des setters. Ouais, alors j'ai fait une application un peu plus large sur mon GitHub aussi. Je vous enverrai ça si vous voulez voir. Mais bon, c'est pas quand même une grosse application. Ah, ok, merci Fabien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des remarques, des machins, allez-y, hein, lâchez-vous, hein, c'est fait pour. En tout cas, c'est toujours agréable de partager comme ça. Hein. Il y en a pas mal que je connais dans le lot, en fait. Hein. Ah, on peut s'organiser ça sur Bordeaux si tu veux, Fabien, avec grand plaisir. On n'a pas du tout mis la durée, non, ouais, on est sur des formats d'une heure avec Cédric. Mais on peut s'organiser, ouais, ça pourrait être super sympa qu'on se voit sur Bordeaux, Fabien. Ça serait top. Enfin, en tout cas, moi, j'aimerais bien. Bon, je vous dis au revoir. S'il n'y a pas d'autres questions. Ah, petite question peut-être de Florian. Je vous dis merci, ouais, merci à vous, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, complètement d'accord avec toi, Robin. Mais ouais. Ça doit dépendre des cas, quoi, effectivement. Ok, merci à tous. Ça me donne faim, quoi. Merci. On essaiera de recommencer l'expérience. Merci, bye. Merci, Isabelle. Content de te voir. Sympa, sympa, Robin. Merci. Merci beaucoup.